C'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou une autre fois encore. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur réseau Paola. Nous comptons toujours la coûte que coûte malgré mauvais moment yo n'a pas kembe. Nous profitons de tout le monde n'importe côté où il y a songez appliquer principe hygiène yo dans souci pour nous capable empêcher famille ak zami nous victimes. Parlez sans ou pas abonner et puis activer petit cloche là comme ça à chaque fois nous publier une nouvelle information ou capable rester notifié. Nous pas fabriquer niveau et monter encore travailler pour aucun secteur cependant nous rassembler information yo et puis porter pour Jean yo. Nous c'est gros réseau pas la réseau information hein? Sofia TV 83 nous la pour nous porter information pour vous tout ça qui a passé en Haïti ak le monde dans une note yo mette dehors dans tête collée entre agent douanier yo ministère justice ak la police nationale là yo saisi yo cargaison zama ak cartouche dans douane au Cap-là qui sorti en direction les États-Unis d'Amérique. Au total 7 zama fait de calibre M4 gagné zama Taurus yo saisi ak divers chargés. Force de l'ordre yo arrêté 3 moun qui gagné yo trempé dans dossier ça c'est Kerli Mac Ironi Senatus ak Mathias Norisma. Fondi tout, juge de paix Philippe était déjà présent pour te faire constat légal yo. Cependant, porte-parole, en après, Gary Desrosiers présenté yon bilan tête chargé by la presse dans le cadre d'opération de CPJ mené pour période sorti février pour mois mars. Pendant opération sa yo, la police saisit 19 machines, 315 kg marijuana, 7315 cartouches, 21 armes à feu différents calibres saisis. Plusieurs individus jouent arrestation yo pour implication yo tant coup assassinat, vol, viol, détention illégale, zamafé, homicide, kidnapping pour ne citer ça yo seulement. En coûté porte-parole en après PNH là, Gary Desrosiers nan micro la presse mais toujours sous gros réseau a, réseau parole, réseau information, Sofia TV 83. 19 véhicules confisqués, 10 motos, on chaloupe, 3 maisons saisies, 2 à la boule 23, yon tribun 9, gagné 9 cas de viol que nous recensés au niveau du département, gagné 4 qui recensés au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagné 315 kg de stupéfiants qui saisis, gagné 2 kg de cocaïne qui saisis, gagné 7315 cartouches et 20 chargeurs qui saisis, 14 pistolets, un revolver avec 6 fusils. Nature, c'est détention illégale, ZAM, trafic ZAM, homicide, assassinat, tentative assassinat, vol à main armée, escroquerie, viol sur adulte, viol sur mineur, trafic, drogue et kidnapping. Ensemble de ZAM que nous voyons là, c'est des ZAM qui saisis au niveau département nord, au Cap. Ça, c'est un M4. Qui saisit, et c'est deux concerts avec agent douanier qui au niveau au Cap. N'a pas gagné plusieurs cartouches très lourds et ceci de tout calibre. Et nous ouais deux armes tout de tout calibre, n'a pas tout pistolet et cartouches 12 yo. 21 février 2020, gagné au Cap haïtien 9 pistolets, un revolver et 4 fusils. 4115 cartouches, 10 chargeurs. Et la police a arrêté Joseph Alcimé. Le 4 mars 2020, gagné un pistolet qui saisit. La police a arrêté Erline Dorneville. Toujours au Cap 11 mars 2020, gagné 2 pistolets et un fusil M4 et 212 cartouches que en partenariat avec Douane ou Capalan, que la police saisit, gagné Fabiola Metellus qui est arrêté. 14 mars 2020, toujours dans la période au Capalan. Gagné 3 pistolets et un fusil M4, 2950 cartouches de calibre 9 mm et un chargeur côté que DLTS de concert avec agent douanier procédé à l'arrestation de Jerry Jean-François, Jules Joseph. Gagné 5 interpellations qui faites au Cap, dans quatre dossiers, ça. DCPJ arrêté pour implication présumée dans la mort de Célius Joseph, qui était fait boyer, mardi 4 février 2021, Saint-Ville Junior Derilus. Gagné tout Christnel, lui, qui continue à créer les bougeaux, qui arrêté pour implication présumée dans la mort ménage, qui c'est Géralda, Judy, Croix des Bouquets. Assassinat, ça a été fait dans la nuit du 10 au 11 août 2018, côté que monsieur a caché Saint-Domingue, et la police Saint-Domingue a arrêté et remettre par DCPJ Christnel, lui, pour le moment, au niveau de direction centrale policière. Gagne tout, Mackinson Moïse, ou Mackinson Moïse, Ricardo Bizidor, Emmanuel Justin, qui continue à créer
Gary. Il a arrêté Mounsao Delma 29 pour menace de mort et enlèvement. Gain tout Davidson Oscar, Maudlore Val, compère Michael, Flory, Fleuristil, il a arrêté présomption d'enlèvement et séquestration contre rançon. Gain tout John Rémy, qui continue entre les mafias ou Ivner. Gain Narcisse Don, Ricardo Deravine, il a arrêté Mounsao pour détention illégale ZAM, ainsi que Ludi Laguerre et Anes Masséna. Pour cas de viol, il y a plusieurs arrestations qui faites au niveau département, mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a 5 personnes qui ont arrêté pour cas de viol. Gagné Wesley Dorilas qui gagne 22 ans et arrêté pour viol qui fait son mineur de 9 ans. Samuel Derisso qui gagne 29 ans et arrêté tout pour viol qui fait son mineur de 6 ans. Gagné tout un ex-policier qui est les Fénélus Eric, qui dont il a appelé Toto. Il a été appelé le mercredi 11 mars à tabac. Il était activement recherché par la police pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, trafic de stupéfiants. Et suite à un mandat Interpol, parce que monsieur qu'on voyageait, il était lancé mandat international à DL. Côté que, il est arrivé à arrêter lui, et pour le moment, lui, dans la direction centrale de la police judiciaire, pour escroquerie pour une écriture de banque, association malfaiteur, il y a 3 personnes qui ont arrêté, qui c'est Wilkins Siméon, Wilner Vilsain, également Erard Desrosiers et Denilson Jean. Ils ont arrêté Mounsao le 28 février 2020 et gagné yon maison Yvonne Machine qui est victime de M. Sao. Mode opératoire, ils ont contrefait ensemble de chèques pour qu'ils aient acheté une entreprise côté que, comme ça, ils déposaient tout sous compte yon côté qui est fait et cola que tout le monde connaît. Pour le moment, Mounsao dans DCPJ. Et dans 4 dossiers Sato, DCPJ a recherché Joël lui, auteur principal. Deuxième fois. Pour sénateur Kedley Augustin, une enquête qui est en cours au niveau de la police nationale et pour que nous soyons capables de connaître exactement ce qui s'est passé parce que ça a dérivé au niveau d'Elma. Et il y a un rapport enquête là qui est probablement cheminé vers l'autorité responsable. Et nous avons toujours dit dès que il y a un policier et il y a deux structures qui l'ont justement pour enquêter dans ce sens-là. Pour le moment, on va pas anticiper sur l'enquête que nous ouvrions dans le prochain point de presse, dans la mesure, et pour que nous soyons capables de dire dans quel niveau que l'enquête ça y est. C'est une image qui touche tout le monde. Et ceci, quel que soit le monde. Et nous avons toujours dit que pas quelqu'un monde dans la population, dans la population qui est autorisé pour exécuter le monde et tout pour tuer le monde. Mais le monde, tu as volé, gagné tout ton appareil qu'il a pour que soit capable de faire travail yo, et pour conduire pour mettre travail ça yo, pour mettre travail ça au niveau de la justice. Mais pour vidéo ça, pour le moment, il y a enquêté sur lui parce que nos réactions faites. Mais nous pas ouais mon diffraction. Demander justement une enquête et c'est ça justement qu'a fait pour que l'avenir pour mieux connaître exactement dans ce qui circonstance que Mounsa Kende hein, qui t'a parlé hein, et puis qui pratiquement était plusieurs cartouches et qui très alarmant ces deux comportements ou bien ces deux bagailles qui capable mettre une société en difficulté là après ça parce que réseau internet là c'est pas adulte seulement qui la donne gagner Timoun tout qui garder le tout. Et une société faite de symboles, une société faite de traditions, une société faite tout de modèles. C'est-à-dire, laisser ça qu'a fait, il est capable de provoquer une situation, même sur le plan psychologique, côté qu'il est capable de bah, problème au niveau moral. Moun ou s'entendez à, l'irélé Gary Desrosiers, l'issé deuxième porte-parole PNH là. Gagné parti national démocrate progressiste haïtien. PNDPH voyait jeter toute l'idée pour gouvernement qu'à faire élection dans un moment si compliqué, maladie a ravagé monde là et puis gangsterisation yo a fait la plier les boutons, yo seul chef dans pays a. Li prend exemple tant coup base 5 secondes base pilate et latrier qui pas jamais quitter peuple là yo souffre. Yo là dedans yo responsable parti ça qui t'a parlé dans micro la presse, rete quoi c'est celle yo conférence nationale qui a aidé nous sorti dans crise pays a journée jodi a professeur Liné Kader pour plus explication tenant micro la presse et bien toujours sur réseau Paola j'aime toujours dire Sofia TV 83 et songez abonner partager pas aller sans pas ban nous un like ou bien quitter un commentaire en bas vidéo parce que nous là pour nous toujours kembe informé sur tout ça qui a passé en Haïti à reste monde nous c'est Géo nous c'est Oreilles Sofia TV 83 réseau Paola. Eh bien, c'est qui s'allie? C'est conférence nationale haïtienne qui pour fête
pour vider les contentieux historiques, pour permettre que le pays ait un plan national de développement. Et bien, à partir de ce moment, lorsque mon candidat, il ne va pas être tête comme bon papa pour dire je vais faire l'école nationale BDN, je vais faire l'école Fort de Paix, je vais faire l'école Mont Organisé, je vais faire l'école Sapit, ou bien je vais faire l'école Cornillon, etc. Mais mon libéral dit, mais qui capacité que je vais mettre pour me développer plan national de développement gagnant. Je pense que c'est ça, et c'est vers ça pour nous aller vers la conférence nationale haïtienne. Et m'a tout dit pour l'histoire et pour la vérité. N'importe monde qui m'a dit pour mener le pays d'Haïti dans l'élection là, c'est disparaître, les besoins disparaître. C'est qu'ils allaient, où est tout le pays à gagner des gangs, on a des gros âmes, soit on a des âmes pour gagner, la police n'a pas gagné. Et l'armée, on soit disant qu'il dit qu'il a pas gagné des âmes. C'est comme si l'on nomme ce chef ganglier, et bien il y a un gang qui le contrôle. Il dit, mon chef, j'ai 10 sénateurs, j'ai 10 députés, c'est eux qui doivent passer, depuis qu'ils finissent passer bloqué ou ça. Et puis, messieurs, ça, avec ZAM, tout est fini. Il y a plein de boîtes de billets, il n'y a pas de monde qui a donné. Donc, moment, pas moment électoral. Maintenant, nous arrivons à un moment, c'est conférence nationale haïtienne souveraine, c'est lui qui peut faire. Donc, affaire électorale qu'on y a, c'est pour le pays à plus de tout boum, c'est détruire plus de monde dans le pays, hein, pour détruire la vie du peuple. Donc, qu'on y a, nous, pas dans le moment électoral, c'est dans le moment conférence nationale haïtienne souveraine. Et c'est ça, nous croyons dans le PNDPH qui a été le pays dans sa vie là.